Cosy Trentaine pour vous servir. Eh bien, donc je dois tenir compte de la question. On ne fait pas comme si la question n'était pas posée. Non. Ok, ça vaut mieux. Eh bien, non, oui, enfin, c'est-à-dire oui et non. C'est-à-dire que dans mon dernier disque, qui est sorti il y a 3 mois, Prohibition, eh bien, c'est tout aussi radical et toutes les préoccupations, disons, ou les sympathies ou les révoltes sont de la même nature à peu près. Prohibition. Et comment vous l'expliquez que chez vous cette révolte-là, elle arrive là en 2008, 2009, 2010. Enfin, elle s'exprime. À votre avis. Oui, mais c'est pas la première fois que la France a un pouvoir. Oui, il y a très longtemps, très longtemps déjà, j'avais écrit comme à la radio et autres trucs. Radical aussi. Bon, évidemment, depuis les dernières élections présidentielles, tout ça est ressorti encore plus fortement, et comme une urgence. Bien que je ne croie pas beaucoup au pouvoir des artistes, pour changer quelque chose, à quoi que ce soit, mais je fais ce que je peux. Vous parlez plus souvent maintenant des prisons, des centres de rétention, etc. Est-ce que vous seriez prête à aller faire un concert, autorisé ou pas, devant la prison de la Santé, devant un centre de rétention à Vincennes, par exemple? Non, parce qu'il ferait froid, trop froid pour moi, d'une part, et d'autre part, parce qu'il faut que je paye mes musiciens. Mes musiciens qui sont mes camarades, mes amis, ok, mais il faut qu'ils gagnent leur vie. Ben vous les payeriez ni plus ni moins dans un concert devant la prison de la Santé que au Bataclan, qu'à Perpignan, qu'à Montpellier, que... Ah ben, qui me donnerait des sous pour payer des musiciens? Ouais. Et vous n'en avez pas assez, vous? Si vous saviez combien moi je suis payé par concert, vous seriez malade, je vous le dis même pas. C'est minable.